Salut à tous, ici Joe Black 67 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester un nouveau truc. Et pour ça, il me faut donc une perceuse, une bouteille en plastique avec de l'eau, un cutter et une bassine, pardon. Voilà. Et ça. Donc, hop, je vais mettre dans le bon sens au moins. Je ne sais pas si vous allez tout de suite comprendre ce que c'est, mais ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. Allez, on commence par le début. On va déjà utiliser le cutter pour ouvrir le contenu de ce truc rond. Voilà. Hop. Je ne sais pas si comme ça on va aller voir mieux. Je pense comme moi, vous avez vu sûrement éventuellement des pubs sur Super Scotch qui colle très très bien, qui colle même des trucs qui sont mouillés et qui c'est hyper résistant. Alors c'est ça qu'on va tester aujourd'hui. Voilà, donc Voilà, on le est presque voilà. prêt pour la deuxième partie, donc le test. Alors là, j'ai un peu préalablement déjà défait. Je vais couper un petit peu, donc je ne peux pas vous montrer puisque je ne suis pas à la bonne hauteur. Et il me faut les deux mains. Voilà, donc j'ai coupé. On va la poser hop, juste là. Maintenant, je vais faire un peu de bruit, hein. On va percer. Donc, voilà, le perçage, il est fait. On peut voir, hein, ça coule. Je prends le scotch. Bah ça a l'air, hein. Bon, est-ce que je dois dire que c'est un test concluant quand même? Allez, je reprends une feuille sec. Donc si je coupe comme ça. Allez, on va dire à 90%, ça a l'air de presque tenir. Allez, j'ai touché, vous avez vu là, j'ai touché, puis ça. Bon, bah voilà. Alors, donc, je dirais 50%. Donc, ça veut dire que le scotch, au moins, il tient. Même si c'est mouillé, il recolle. Donc, troisième fois, comme vous avez vu, j'ai remis, puis ça tient. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc, l'histoire d'empêcher l'eau de sortir, oui, un petit peu, mais c'est pas le truc. C'est genre un peu, vous avez un pneu de crevé. Il y a des produits là que vous mettez, mais ça va pas tenir toute la vie. Faut aller changer au plus vite. Donc. Voilà, donc je dirais 50-50 pour le produit. Allez, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez questions, ah oui, donc si jamais je l'ai acheté dans un site couleur bleue, hein, que c'est très connu pour des prix pas très chers. Et il me fallait donc alors en même temps j'ai profité de partager avec vous le test ce test-là donc pour moi ça va sûrement jouer parce que c'est pas
Je ne dois pas empêcher de l'eau de sortir, mais plutôt de l'eau de rentrer. Donc, du coup, ça devrait peut-être mieux tenir. Voilà. Ciao, ciao. Merci de votre visite. Et puis, si vous avez des questions, bah, comme je viens de dire, bah, n'hésitez pas à me poser. Si je peux les répondre, je le répondrai. Allez, ciao, ciao. Bye bye. À plus. À une prochaine. Et merci pour les nouveaux abonnés. À plus. Alors, ici, la suite de l'histoire de la bouteille avec le scotch. La bouteille, elle a resté toute la nuit dehors. Et ouais, c'est même pas gelé. Hein. Mais comme on m'a pu voir, ça n'a pas l'air de. Ça coule pas donc. Bah, alors, du coup, bah, voilà. Si, un petit peu, hein, c'est quand même un peu gelé. Ouais, y a des glaçons. Voilà. Donc, je pense que quand même pas trop mal encore, ce fameux scotch. Voilà, donc c'est un petit bonus. Et ça coule toujours pas. En tout cas, c'est sec. Bon, bah. Allez, on va mettre positif. Hein? Salut mon gamin. Ça va mon choupi? Hein, Jack? Oui. Bon, bah voilà. Ça se termine comme ça la vidéo. Je dirais que c'est un peu quand même concluant. Ça coule pas là. Et ça a passé toute la nuit dehors, donc je pense qu'il y a eu 3 degrés par là autour toute la nuit. Allez, bye bye. Et à bientôt. Ciao, ciao.